C'est bizarre, il n'y a pas de nom sur les tombes. C'est un ancien cimetière protestant abandonné il y a plus de 3 siècles. À l'époque, les protestants enterraient leurs morts sans préciser leur identité. Les pierres tombales étaient anonymes. On s'est pas présenté ? Non. Docteur Vincent Lazare, médecin légiste, historien local. Bienvenue dans la région. Capitaine Judith Valetz, vos premières impressions ? Ah bah, vous avez touché le gros lot, hein. Un corps nu, recroquevillé, en position fétale, sur une tombe, dans un cimetière abandonné, vous aurez des trucs à raconter à vos enfants ? Bah, j'ai pas d'enfants. Bah, ça viendra. Bon, et si on veut aller plus loin dans le détail ? Point numéro 1, la victime devait connaître son agresseur, ou du moins ne pas s'en méfier. Il a été frappé de face et n'a pas eu le temps de se défendre. Est-ce qu'il y a assez de sang pour qu'il ait été tué ici ? C'était le point numéro 2. Vous avez tout gâché. Il a été tué ailleurs et le corps a été déposé ensuite sur cette tombe. Aucun doute là-dessus. Point numéro 3, l'arme du crime, vu la plaie, c'est une lame courbe, genre détroqueur. Genre quoi ? Un détroqueur. C'est un outil ostréicole traditionnel, une sorte de couteau à bourre courbé. L'assassin était probablement droitier. Quant à l'heure de la mort, ça s'est probablement passé cette nuit, mais pour être plus précis, c'est un peu tôt. Quant au point suivant, vu que j'ai pas ma boule de cristal sur moi, je suggère qu'on emmène le corps au labo le plus vite possible. Monsieur ? Il est toujours comme ça, lui ? C'est un ancien chirurgien reconverti en légiste. Il est spécial, hein ? Mais très compétent.